Let's talk to your long guest. Okay. Que Guy sont plaidé coupable aux États-Unis. Et c'est type pays nous y le fait que c'est type pays. Et d'ailleurs, élection nous en Haïti, les financés par pays ça yo. Et c'est une erreur que Guy fait. Comme leader à l'époque, monsieur était quitté ou utilisé pour te combattre le président élu. Et même moun qui t'est servi à Guy, qu'on a pas servi contre Guy pour humilier. Pendant que Elvin élu sénateur de la République, yo humiliel, menotel, metel, passel en télévision, etc., chaîne dans ceinture, pour yo humiliel, avilil, alors que yo te servi à cli, parce que yo te en face yon président élu. Attention. Ça veut dire que, m'vle nous comprendre réalité, ya. C'est pas parce que t'étais campé en face Guy, mais m'vle nous comprendre. Contexte yo pas même d'ailleurs 2023 pas 2004 et youn nan bagay mso di la qui sont vérité les partisans de Jean-Charles Moïse capable prendre Jean yo vle, mais c'est vrai pendant m'a parlé là retour de Guy Philippe paniquer Jean-Charles Moïse pour qui ça ça arrivé comme ça et ben m'di nou bagay qui clair. C'est parce que Haïtien jodi ap cherche un libérateur, y ap cherche un sauveur. Trop bluffeur dans pays ya, trop traître, trop magouillé, trop corrompu. Donc Haïtien yo ap cherche un sauveur, un libérateur.
qui est-ce qui ka vinn délivrer pays a. Et lorsque Guy paraît dans contexte actuel là avec un discours concernant la sécurité, bon garanti la difficile pour nèg camper en face Guy pour le battre si gon élection qu'a réalisé dans pays a. Parce que discours Guy porté pour kounia li approprié li adapté à contexte actuel là. Et ça fait quelque temps nous pas joindre nèg k'a bay qualité discours ça yo pour qui ça? Parce que même si Guy qui parle, mais attention s'il vous plaît. Une nan raison fondamentale en pile dirigeant politique pas jamais osé gen même discours qui gagne par rapport à insécurité ou par rapport à bandi yo. C'est parce que en pile là d'ailleurs non seulement c'est yo qui armé ghetto yo. Ça fait un. Deuxièmement, en pile nan leader sa yo, yo servi ak nèg nan ghetto yo pour yo capable faire capital politique yo. Ça vient faire yo pas ka comme si yo pas ka couper branche yo chita sou li a. Yo pas ka critiquer bandi sa yo, ou souvent yo qualifier nèg exam sa yo comme si entrepreneur, agent social, agent communautaire, agent de développement, et ti nèg ti jeune k'ap suivi les zones, au contraire, yo c'est des orientés, des opprimés mal orientés, etc. C'est comme ça ou qualifié yo. Qui différent pour Guy Philippe, qui lui-même li gen ki parle, mais qui parle là li différent de bande armée dans capital là. K'ap fait kidnapping etc., k'ap violer moun et tout bagay. Ça vient mettre Guy non position de paraître supérieur par rapport à l'autre yo. Et gan pile leader politique qui paniquait. Seule contrainte qui gen là pour l'instant, c'est parce que après aveu le fin fait aux États-Unis pour capable diminuer peine, monsieur risqué par jambe capran on poste électif encore en Haïti. Mais ko vle le ko pa vle le. C'est vrai contexte yo époque yo pas même. Mais Guy Philippe comme jeune commissaire de police que le Wanamet, que le Delma, que le au Cap haïtien, monsieur te ba résultat. Monsieur te ba résultat. Cependant, planifier qu'on y a un coup d'état contre un président élu qui fomentait, qui complotait par des étrangers, côté que dernier phase bataille là, côté Guy Philippe te rassemblé troupes li au CD Kay voisin en République Dominicaine, ça vient faire que si mal si me continue à parler dans l'article 21 constitution dit Philippe monsieur pas moun que n'a vann nan parce que lorsqu'on complote contre pays ou yo laisse sa trahison sous quoi menti me pral li pour article ça. Mais si qu'on y a n'a parlé de n'a dénoncé un régime n'a goumen contre et tira ba sa yo, est-ce que effectivement Guy Philippe le sauveur d'Haïti j'en prétend dire là, est-ce que retour de Guy Philippe c'est pas une planification également pour le retour en force du PHTK au pouvoir? Parce que ça va arriver là. Bon me dit non bagaille clair pour me finir sur ça. Même si Guy Philippe pas ta capable candidat lui-même, parce que m'dou, si gen débat juridique qui fait par rapport à condamnation aux États-Unis, yo gen doit etc. avancer pour dire que bon blanc tout gen doit pas d'accord, faut nous accepter parce que m'di nous pas jamais grand monde tête nous vrai pour Guy Philippe candidat. Et même si Guy Philippe pas capable candidat lui-même, mais monsieur gen capacité, gen popularité, gen aura pour influencer quel que soit élection qu'a organisé dans pays a. Bon moi reprend ça m'di a. Même si Guy Philippe lui-même li pas ta capable candidat pour quel que soit poste électif, cependant Guy Philippe gen capacité, Guy Philippe gen audace assez, monsieur gen aura assez et monsieur gen popularité assez par rapport à que ça m'a vivre là dans grandance pour influencer quel que soit élection dans pays a. Ça veut dire qui ça? Même si Guy lui-même gen doit pas capable candidat, mais il gen doit choisir un candidat que le marche avec. Ti moun moi yo a dit Maurice, il pas vinn marcher à moi là. On pas connaît, ça dépend. S'il remarque vision moi là, il marche là-dedans.
li ka macha moi. Ça veut dire qui ça? Monsieur capacité li ou amdou audace monsieur tout, aura li popularité li. Monsieur capable influencer quelle que soit élection. Ça dit si monsieur gen un candidat que li marché derrière, que le dit yo que marché derrière, m'bon garanti que candidat ça le fait proie dans élection, quelle que soit élection. Et c'est là les candidats entre guillemets potentiel qui en Haïti yo paniqué avec le retour de Guy Philippe. Ça vient fait que retour Guy Philippe là gagne plusieurs aspects là-dedans. Mais yon aspect pour considérer retour Guy Philippe capable également renforcer l'équipe du PHTK, même si son PHTK divisé côté Dim Jovenel lycée etc n'importe, mais c'est même racine PHTK. Les Martelly yo toujours au pouvoir juste pour moment n'a parlé là. Et qui est-ce qui a dirigé? C'est Ariel Henry. Qui est-ce qui bat Ariel? C'est Martelly. Donc c'est Martelly qui est encore au pouvoir. Donc l'arrivée de Guy Philippe capable de renforcer l'équipe de Michel Martelly ou bien PHTK ou bien Jovenelist etc etc, dépendamment de qui côté le souche, qui côté le branché. Est-ce que Kounia n'a continué goumen contre PHTK ou bien avec Guy Philippe n'a reprend un PHTK modifié ou bien son autre forme?